Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir en image, nous allons aujourd'hui ouvrir la suite des calendriers de l'Avent 2024. Je suis ravie de pouvoir commencer avec une marque que je préfère en absolu, c'est-à-dire Lancôme. Et donc j'espère que cette image va vraiment vous plaire et que vous allez décider de continuer à suivre ma chaîne. Alors vous savez, je fais ça à la vite puisque la concurrence a déjà commencé les calendriers de l'Avent. Donc j'aimerais bien aussi de mon côté commencer. Alors, on va bien évidemment au programme découvrir les 24 cases qui se cachent derrière ce calendrier. Et à la suite de ça, nous allons vraiment entamer toute une chaîne de calendriers, de découvertes, des achats que je vais faire avant les fêtes de fin d'année. Si vous voulez me suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de continuer à commenter comme d'habitude. Ça me fait énormément plaisir de découvrir pour vous et de vous donner mon avis concernant justement ce calendrier. Alors sans tarder, on va entamer le calendrier. On va commencer déjà par vous montrer déjà la présentation calendrier. Alors derrière, comme vous pouvez le voir, j'avais pas très envie justement de vous montrer et de spoiler d'avance le calendrier. En termes de prix, cette année c'est choquant, on dépasse les 239,50 € en tout cas acheté auprès de Inno à Bruxelles. Alors, on ouvre de cette façon-là, il y a une partie cartonnée. Le calendrier pèse vraiment très 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 lourd et je vous présente déjà le coffret. On est dans un bleu nuit qu'on appelle un bleu très 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 charmant, je dirais, mais qui n'est pas, à mon humble avis, les fêtes de fin d'année ou... Selon moi, il faut plus de rouge, de vert et d'autres coloris qui prouvent justement l'effet du blanc et tout ce qu'il peut y avoir. En termes de coffret, c'est vraiment un coffret à collectionner, extrêmement joli. Il y a deux parties pour pouvoir ouvrir. Ici, l'encoche, je vais vous montrer comment on ouvre. Regardez-moi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir en image. Et je vais vous montrer justement le coffret, extrêmement joli. Avec les deux encoches de deux côtés, on ouvre encore un deuxième étage, mais on va découvrir à fur et à mesure le calendrier. Alors je vais quand même le poser parce qu'à mon avis, ce sera un peu compliqué d'avoir le calendrier en main et de pouvoir justement vous montrer les produits. J'espère que ça ne va pas vous mélanger les idées. À tout moment, vous pouvez revenir et voir l'ouverture du calendrier dès le début. Alors, je le laisse ici, je le pose et je vous montre à chaque fois chacune des cases. Case numéro 1, regardez-moi comme elle se présente. C'est vraiment très, très, très jolie boîte à pouvoir ouvrir et à découvrir. Alors, à l'intérieur, nous avons un lait Galatée Confort. C'est un lait démaquillant réconfortant 50 ml, la fameuse gamme que moi j'adore et qui sont hyper, hyper bons. Franchement, adorable en termes justement de produits. Très, très, très ravie de commencer comme ça ce calendrier. Ah, pour pouvoir découvrir la deuxième case, il faut ouvrir le calendrier. Je vais d'ailleurs vous mettre du calendrier. Franchement, extrêmement joli. Hein. Franchement, c'est le... de nuit, les notions vraiment galactiques qu'on trouve à l'intérieur, très 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 joliment décorées. Numéro 2, elle est toute petite, je ne sais pas ce qu'on peut y trouver à l'intérieur. J'espère encore des produits, des fameuses gammes qu'on trouve très 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 rarement, qui coûtent hyper cher. Alors on est dans Lancôme Absolus, la fameuse crème fondante. On trouve 15 ml, franchement j'adore cette crème. C'est pas une crème pour ma peau, c'est une crème pour peau mature. Mais en termes de senteur, elle est extrêmement agréable. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir à l'intérieur. Fantastique. Franchement, une très 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 jolie deuxième case. Alors, on va continuer avec la troisième case qui se trouve encore à la deuxième rangée à l'intérieur justement du coffret. Je vais ouvrir en live, voir un peu ce que ça va donner. Et là, je pense qu'on est dans la crème que moi j'adore. C'est le Hydrazen.
la fameuse gamme rose là, c'est gel crème hydratant et apaisant, 15 ml à tester. Je sais pas si vous arrivez. C'est pas fameux en termes justement de crème. On a l'impression qu'elle a été un peu jetée comme ça. Adorable en termes de gamme. Case numéro 4. Et sur la case numéro 4, la bonne fée nous a envoyé quoi? Alors, à la différence des autres qui n'étaient pas fermés et bien emballés, ici nous avons quoi? Le fameux échantillon de parfum. Et là, on a l'impression, je ne sais pas si vous voyez, on dirait que quelqu'un l'a utilisé. Le fameux parfum trésor, minuscule. J'espère que quelqu'un n'a pas touché parce que hier, lorsque je l'ai... C'est la première case que j'ai touchée et franchement, l'eau de parfum ne bougeait pas. Alors ça, c'est la case numéro 4. Très, très, très ravie de pouvoir ouvrir cette case. Alors, on continue avec la case numéro 5 qui se trouve encore au deuxième étage, justement, de ce fameux coffret. On va voir. Alors, sur la case numéro 5, nous avons le Génifique de chez... C'est vraiment le fameux sérum là pour peau mature. Alors, concentré actif de jeunesse. Et ici, nous avons 10 ml à pouvoir tester et retester. Je pense qu'on l'avait déjà reçu au niveau du calendrier Saint-Valentin de chez Lancôme. On continue encore. Justement, côté gauche de l'ouverture, premier étage, regardez-moi déjà la fameuse boîte 6. Alors, sur la case numéro 6 représentant les Champs-Élysées, nous allons voir la fameuse crème multilift nuit. C'est la crème de nuit fermeté, 15 ml à pouvoir justement tester. Oh, extraordinaire. Alors, elles ne sont pas si bonnes que d'habitude. J'espère qu'elles n'ont pas été changées, remodifiées. En tout cas, c'est l'autre gamme qu'on trouve auprès de chez Lancôme. Pardon. Ne peut pas être vendue séparément. Donc, c'est un échantillon qui ne peut pas être vendu, qu'on le trouve dans un calendrier de 239 €. C'est toujours premier étage. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Alors, ici, on trouve des données sur un parc. Alors, il n'y a plus de papier pour pouvoir emballer les produits, ce que je déplore. Et on trouve un mini rouge à lèvres. Alors, la teinte, c'est l'Absolu Rouge 505. Et franchement, vous savez, je suis fan de tout ce qui est rouge à lèvres de chez Lancôme. Alors, on est dans une teinte rouge extrêmement mate, je dirais, à ce genre de rouge. C'est plus pour les soirées, je dirais, que pour la vie de tous les jours. Mais ravie, puisque c'est une teinte rouge qu'on peut utiliser pendant les soirées de fin d'année et tout ce qui va avec. Extrêmement, extrêmement contente du produit. Alors, case numéro 8. Cette case, elle n'a pas l'air d'être vraiment, vraiment remplie. J'espère qu'on ne va pas nous laisser sur notre faim. Et alors, sur la case numéro 8, nous avons un mascara, un mini mascara, c'est le Lash Idol de chez Lancôme. Et là, il est marqué, ne peut pas être vendu. C'est pas bon en termes de marketing, en termes de confiance. Alors ici, on a 2,5 ml, on a un mascara apicot curbé pour pouvoir justement nous aider lorsqu'on veut vraiment donner du volume au niveau des cils. Un très très bon mascara qu'on a d'autres auprès de chez Lancôme. De Lancôme, nous continuons avec la case numéro 9. Alors, case numéro 9. Je ne sais pas si on arrivera un jour à ouvrir correctement cette case. Alors, on continue avec un échantillon de rouge à lèvres de chez Lancôme. Alors, je ne sais pas si on peut exactement vous le montrer, mais il est griffé. C'est pas, on dirait que ça a été touché, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir de chez Lancôme. Ils font très attention. Alors, nous sommes dans un rouge à lèvres. On continue le rouge à lèvres. Rouge foncé, extraordinaire là aussi pour les soirées de fin d'année. Et là, ça vire un peu plus sur... je dirais framboise en termes de teinte. Alors ici, au niveau des numéros, c'est le 888, une de mes teintes préférées. Regardez-moi le fameux logo que l'on trouve à l'intérieur. N'oubliez surtout pas que
Ça fait le énième échantillon, on n'a pas encore eu un format vente jusqu'à ce 10e étage de notre calendrier de l'Avent de chez Lancôme. Là, on a un produit emballé, c'est moi joli, on va voir si ça va donner. Ah, j'ai l'impression que c'est un parfum, un eau de parfum. C'est ça. Alors, nous sommes de la vie belle eau de parfum. Donc, ça sent hyper bon. Pour les collectionneurs de ce type de parfum, toujours extraordinaire. Moi, j'adore tout ce qui est parfum de chez Lancôme. Alors, ils sont un peu forts au départ, donc il faut prendre l'habitude de mettre le parfum, de laisser un peu reposer, puisque sinon ça va embiber toute la pièce. Mais ravi du produit, on est toujours dans un format voyage. Si jamais on veut faire attention à notre budget, ne l'oublie pas. On trouve encore au premier étage, encore rouge à lèvres de chez Lancôme. Alors ici, nous sommes de la gamme foncée, toujours avec la fameuse fleur. En termes de numéro, nous sommes dans le Dramamé Matte, le 196. Là, on est encore dans du rouge foncé. À la différence de l'autre qui virait aux framboises, ici on vire vraiment vers l'oranger. Une autre façon de pouvoir justement se maquiller. Je sais qu'il y a énormément de jeunes filles et de jeunes femmes à qui ça va vraiment très bien, le rouge à lèvres qui vire un peu vers l'orange, et d'autres qui vraiment la teinte qui leur vont bien, c'est le rouge qui vire vraiment vers le framboise. Numéro 12 du calendrier de chez Lancôme. Alors, format vente, le fameux mascara hypnose drama de mes préférés. Regardez-moi le détail, franchement, il est trop beau ce mascara, je l'adore. Alors, je vous l'ai déjà présenté, moi j'étais ravie de ce mascara. Alors, on dirait qu'il a été un peu utilisé. La brosse n'est pas directement droite, elle n'est pas courbée, on dirait qu'elle fait un zigzag entre, exactement comme la forme justement du mascara, si vous arrivez à le voir en image. Très contente justement de ce mascara, je vais me presser de l'utiliser. Alors, case numéro 13, premier étage, l'autre côté de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Toujours aussi joli, on est toujours dans une teinte bleue foncée. Et là, on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Et là, nous avons les parfums pour le corps de la vie est belle. Très bonne découverte. J'adore les laits pour le corps et surtout ceux de la vie est belle, que j'ai déjà utilisé, je pense, dans le passé. Je vous ai déjà donné mon avis concernant justement ce parfum. Du coffret de chez Lancôme. Mais là, nous arrivons vraiment à la mini découverte de Généfique pour les yeux. C'est la crème pour les yeux activatrice de jeunesse et éclat, 5 ml qu'on peut trouver dans un calendrier à 239 € d'achat. Alors, regardez-moi la présentation, franchement ça laisse à désirer au niveau de la marque. Je m'attendais vraiment pas à ça, c'est vraiment un flop pour moi au niveau de la case numéro 14. 15e case, l'autre côté de l'ouverture du calendrier de l'Avent, toujours aussi vide que les autres pour le moment en tout cas. Alors, nous avons un eyeliner de 2 ml, un échantillon de chez Lancôme, un produit très vendu je pense au niveau de la marque. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le tester. Non, je me trompe, c'est un mini mascara, alors ne peut pas être vendu séparément, il est marqué directement sur la botte. Je ne sais pas quoi vous dire. En termes commerciaux, je ne veux pas entrer dans les détails et vous donner ce que les juristes diplômés en droit commercial vont vous dire. Mais honnêtement, Lancôme, cette fois-ci, vous avez fait fort. Numéro 16, deuxième étage au niveau de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas comment entendre avec ce calendrier. Nous avons une crème anti-âge haute performance, Lancôme Rénergy, et là il est marqué 15 ml encore en échantillon, et on continue à voir l'écriture ne peut pas être vendue séparément. Je ne sais pas ce que je vais en penser, mais honnêtement on peut rien dire au niveau des crèmes, c'est juste en termes éthiques, en termes professionnels, en termes de confiance que
est en train de me refroidir en termes de calendrier. N'oubliez surtout pas, on n'est pas là pour juger les marques, on est là pour juger le prix qui est super important de pouvoir sortir 239 euros de sa poche et se retrouver avec des produits de ce type dans lesquels il est marqué ne peut pas être vendu séparément, sachant qu'on ne peut pas être vendu séparément. Ce sont des échantillons offerts par les marques. Numéro 17, premier étage au niveau de vraiment ce calendrier n'est pas vraiment ce que moi j'appelle le meilleur des commencements. Alors, on va continuer avec Seal Booster XL. Là, nous sommes dans une base de mascara effet sublimateur renforcé 4 ml. 4 ml de produit, on est toujours dans des échantillons que l'on offre. Alors, voici, je vous ouvre déjà la boîte. Elle est blanche. Et le produit que l'on trouve à l'intérieur, comme ça, je vais vous tourner. C'est ça, je ne sais pas si vous arrivez. Regardez-moi la matière qui est déposée au niveau du mascara. Je vous laisse vous faire votre propre avis comme d'habitude. Vous savez qu'on est là justement pour que je vous montre des choses et que vous pouvez en même temps regarder d'autres choses. Numéro 18, nous sommes dans la case numéro 18. Elle est extrêmement imposante, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Premier étage. Et là, ravie de le voir, mais nous avons, comme vous pouvez le constater, une nose palette. Donc, c'est 5 fards à paupières pigmentés et haute tenue. Nous avons le 09 fraîcheur rose, poids 4 grammes. Alors, on va voir à l'intérieur ce qu'on va découvrir. Regardez-moi la boîte, très 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 jolie. On est dans du noir foncé et voici les teintes extraordinaires. Ce sont toutes des teintes qu'on peut toutes utiliser. Très joliment choisies, je dirais, en termes de teintes, en termes de coloris. Et hyper ravie déjà du produit. Au moins, on ne peut rien dire au niveau de cette mini palette. Nous arrivons presque au bout de ce calendrier après avoir eu la case numéro 18. Très, très, très ravie. Alors, case numéro 19, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'Absolu Rouge Intimate. Nous sommes dans un rouge mat effet flûté, le numéro 299 French Cashmere. Alors, très 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 joli, on a vraiment de la chance de pouvoir avoir, je pense, un rouge format avant. Voici le fameux rouge à lèvres, très 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 joli. Regardez-moi le coffret, la présentation. Alors, je suppose que ça doit être de cette façon qu'on sort le produit. Et voici la teinte, très 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 jolie. Et là, nous sommes toujours dans un rouge qui vire plus vert, je dirais l'oranger à mon humble avis. Très joli coffret, très joli rouge à lèvres. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis concernant justement le prix. Numéro 20, premier étage du calendrier de l'Avent de chez Lancôme. Mes fans vont adorer la présentation, je suis sûre et certaine. Alors, à l'intérieur, nous avons un petit coffret, je pense que c'est l'Absolu. C'est la gamme L'Absolu et là nous avons un soin à regard revitalisant 5 ml à l'intérieur. On trouve une crème de l'Absolu Repair, donc c'est la crème que l'on peut utiliser au niveau des contours des yeux. Alors voici le produit, je vous le montre, j'espère que vous arriverez à voir. C'est pas dans les habitudes de chez Lancôme, mais en tout cas on aime bien ce genre de produit. Sachant qu'il est hyper, hyper, hyper cher à pouvoir acheter. Alors, case numéro 21, nous avons. On est toujours dans le premier étage au niveau justement de ce calendrier et l'on trouve à l'intérieur le fameux tonique douceur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est la lotion tonique adoucissante à l'eau de rose, 50 ml à pouvoir adorer et retester parce que moi j'adore. Et je suis sûre aussi, vous aussi, sachant que le nombre de ventes de ce produit est exorbitant. Premier étage, l'autre côté justement du calendrier. Découverte, découverte, découverte. Après le tonique
de l'autre tonique bleue, nous sommes dans le tonique confort de la fameuse gamme rose, c'est la lotion réhydratante, réconfortante, 50 ml, ma gamme préférée de tous les temps. Elles sont hyper bonnes. Dans le numéro 23, on s'est fait piéger, je pense. On est la seule youtubeuse à lire que les produits ne peuvent pas être vendus séparément. Ils ne peuvent pas être vendus du tout. Et là, sur la case numéro 23, nous avons quelque chose. Donc, ça fait le troisième emballage. Et là, à l'intérieur, oh, c'est super beau. Regardez-moi, c'est le fameux parfum. Miniature de chez Idole, le parfum préféré des Français. Ça sent hyper bon. En tout cas, on ne peut pas s'en empêcher d'aimer les parfums et même leur format voyage que l'on collectionne à chaque fois, sachant qu'on adore ça. Alors, dernière case qui pèse une tonne, je ne sais pas ce que l'on trouve à l'intérieur, case numéro 24. Donc, comme j'espère que vous avez choisi quelque chose à nous rendre fou de vous. Et regardez-moi la découverte du fameux produit de chez Lancôme. Très joliment représenté. Alors, le parfum, regardez-moi, il est belle et franchement ravie du produit. On aura au moins un parfum pour clôturer ce calendrier. Vont au bout de ce coffret de 24 cases de chez Lancôme, prix affiché de 139,50 €. Je vais d'ailleurs, alors, quoi vous dire dans ce calendrier. Alors, plein de surprises au niveau de la présentation. Déjà, au niveau de présentation box, je dirais qu'elle est très jolie, qu'on peut absolument garder en souvenir puisque Lancôme a vraiment fait énormément d'efforts. Je dirais qu'on n'est plus dans le genre de coffret innovant, voilà, c'est le mot que je voulais absolument trouver. C'est quelque chose de déjà vu, donc on voudrait, comme je disais, des coloris qui restent toujours dans ce qu'on appelle la teinte pour les fêtes de fin d'année. Les teintes qui font plaisir. Alors, quand, à chaque fois je juge, j'entends que jeune fille, en tant que femme, mon homme offre ce genre de coffret, il est foncé. À premier abord, je ne vais pas absolument l'adorer. Nous sommes dans une teinte, je dirais, interdite lorsqu'on veut faire plaisir aux personnes. Sachez que chaque couleur a toujours une signification et de voir le message qu'il y a derrière. Alors, pour ceux qui aiment bien réfléchir, je vous laisse sur cette façon d'argumenter en termes de présentation en coffret. Ensuite, en ce qui concerne les produits à l'intérieur. Alors, vous devez toujours savoir que le renommé de chaque marque est vraiment les produits qu'ils ont fait. Alors, Lancôme n'a pas énormément de produits et ceux qui sont ces produits phares, ils sont vendus extrêmement, ils sont vraiment recherchés puisqu'il y a derrière un gage de qualité, un gage de luxe, un gage de promesses, de soins, énormément de choses qui font que cette marque continue vraiment à séduire et à être sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait un coffret de ce genre et que l'on dépasse les 100 €, des produits du genre ne peuvent pas être vendus sans interdit, strictement interdit en termes de confiance sur le marché, en termes de confiance par le client. Je le dis parce que d'habitude, à chaque fois, on prend les mots à la légère, mais disons qu'il ne faut pas vraiment les prendre à la légère. On est vraiment très sérieux, ce sont de l'argent que nous payons de notre poche, ce sont de l'argent qui a été vraiment gagné à la sueur de notre front. Et honnêtement, je ne suis pas contente de calendrier de l'Avent de chez Lancôme. C'est une des premières fois que je le dis ouvertement. La marque est là en train de nous écouter. Vous savez qu'en termes de prix, les prix varient selon les sites dans lesquels il est vendu. De 139 auprès de Inno, 100 € auprès de Lancôme, et ainsi de suite. Alors je sais que la marque va prendre le dessus. Je suis désolée pour vous, c'est pas la façon de communiquer avec son public, de bloquer les personnes qui font les vidéos sur YouTube. Et je vous dis, moi je l'ai acheté et si vous voulez faire de même, vous en fichez justement du prix et que vous ne faites pas l'analyse ou alors que vous le recevez en tant que cadeau, ben, je vous souhaite bonne chance. Mais en ce qui concerne les termes commerciaux, les termes intellectuels, je dirais qu'on n'est pas vraiment de ce qu'on appelle
Un coffret à pouvoir acheter à 239 euros. Et je mesure les mots, j'essaie de trouver une autre façon, une autre tournure de le dire. Malheureusement, cette offre-là pour moi, ce calendrier de l'Avent 2024. Pour être éthique et pour être professionnel, voici le prix. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici au niveau de l'image. Alors, je voulais clôturer justement cette ouverture de calendrier de l'Avent en remerciant mes abonnés de la confiance qu'ils m'en font, de continuer à vous abonner et tous les jolis messages que j'ai reçus. À la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!